Et moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est pas simplement un Volkswagen Gate, c'est la question du Dieselgate. Combien de constructeurs automobiles ont menti sur la question des normes de pollution, sur la question de la consommation, voire sur la sécurité? Mais c'est un sujet légitime. Est-ce que c'est pas dangereux tout de suite de généraliser ce qui est pour l'instant un scandale propre à Volkswagen? Hélas non, parce que aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que à chaque fois que nous avons voulu avoir plus de transparence sur les données liées à la pollution, donc les émissions de polluants par ces véhicules, il y a un lobby automobile extrêmement fort qui fait tout pour faire taire toutes les personnes qui veulent de la transparence.